Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la mission numéro 8 de notre petite saga sur Fast Sweet Bonjour, Up. Donc, toujours évidemment sur Hitman Blood Money. Et donc, mission 8, évidemment, c'est la fameuse mission du mariage. Donc, on commence avec le petit test de sauvegarde, évidemment. Et on est parti. Alors, cette mission, contrairement à la précédente, il va y avoir un petit peu de nouveautés. Mais avant, évidemment, il faut que je récupère ce que j'ai fait. Bon, la dernière fois, j'avais tenté de draguer une certaine femme, mais j'avais pas apporté ce qu'il fallait. Donc là, il faut que je retente ma chance avec un beau cadeau. Voyons voir si ça va marcher. Donc elle a l'air contente, hein, quand même. Donc je vais lui déposer le cadeau. Et non, vous voyez que ça ne marche pas. Ça ne lui convient pas, visiblement. Elle lève les bras, genre, non, ça ne me concerne pas. Donc, on a tout compris. Et regardez ça, laisse mon cadeau par terre. C'est quand même extraordinaire. Bref, du coup, hein, vous le savez, on doit attendre que le fameux mec soit là. Alors, sachez quand même, hein, je vous le dis, qu'il est tout à fait possible de passer directement. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les pièces, si vous voulez, parce que c'est assez aléatoire. Vous avez notamment deux mecs, à un moment donné, qui sont en train de s'embrasser. Enfin, deux mecs. Un homme et une femme qui sont en train de s'embrasser. Et avec un bon coup de pièce, vous pouvez arriver. Mais souvent, moi, j'ai un taux d'échec assez fort, dans le sens où, des fois, ils vont pas dans le bon sens. Ils se tournent vers la porte. Donc, du coup, après, je peux plus passer. Vous voyez, donc, et c'est des errances comme ça sur plusieurs minutes. J'ai dit, non, on va pas leur imposer ça. Tant pis, c'est plus safe. C'est plus long peut-être, mais c'est plus safe de prendre sur le mec qui vomit, hein, donc voilà. Finalement, on peut entrer tranquillement. Et là, pour l'instant, on fait un petit peu pareil que ce qu'on avait l'habitude de faire, hein, évidemment. Alors, on rappelle quand même que le fusil éléphant ne nous concerne pas, on s'en fout, hein, très clairement. Donc c'est, voilà, pour dire, hein, que on ne récupère pas les armes, comme toujours. Et évidemment, on va aller au grenier pour poser la fameuse bombe pour tuer notre première cible. Et d'ailleurs, en parlant de première cible, on va la déclencher, cette bombe, assez vite, puisque voilà, regardez ça, je prends la télécommande, je vais essayer de tuer le marié à sa toute première à son tout premier passage, voilà, devant le piano. Et vous voyez que là, j'ai réussi. Alors normalement, faut savoir un truc, c'est que je dois atteindre la porte, vous savez, que je vais ouvrir, en fait, au moment où on va entrer dans cette fameuse salle, justement, où est le marié devant le piano. Mais là, comme j'avais pris un peu de retard tout au début, en fait, eh bien, il a fallu que je précalcule et que je retire le temps que j'avais perdu par rapport à mon déplacement, vous voyez, en estimant à peu près à combien j'en étais. Donc, ce qui fait que, vous reverrez la vidéo, hein, mais je l'ai déclenché un petit peu avant, vers quand j'arrive dans la cuisine à peu près. Il me semble bien, voilà, hein, c'est un peu ça. Bref, il faut le déclencher un petit peu à l'instinct, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je regarde à l'endroit où il est, je risque même de perdre du temps, vous voyez, à faire ça. Et donc, il vaut mieux faire ça à l'instinct. Bref, de toute façon, j'ai mes repères, hein, donc si vous ne les avez pas, bah, vous pouvez toujours regarder la map. Et, vous descendez les escaliers, vous regardez la map, et dès qu'il s'approche et qu'il y est, vous enclenchez. Ça peut aussi se faire comme ça. Moi, j'en avais pas besoin, donc voilà. Bref, du coup, s'en est suivi une explosion, vous êtes d'accord avec moi. Et donc, bah, voilà, on en a profité pour venir jusqu'ici. Normalement, ici, on n'a pas le droit d'y venir, en fait. Alors, vous attendez que tous les gardes se cassent pour aller voir ce qui se passe du côté de la salle des convives. Et comme ça, vous pouvez passer gratuitement, voilà. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que le père de la mariée, voilà, c'est privé. Alors là, pas de chance, ça n'a pas marché. Et alors, heureusement, voilà. Alors, je sais pas si on peut le renverser ici, du coup. Mais en tout cas, il s'est rapproché de la zone où il allait habituellement, ce qu'il fallait pas faire. Je l'ai poussé et je l'ai fait tomber. Donc, ce fut avec quelques remous, mais j'ai quand même réussi. Vous voyez que ça va déjà être la fin, mine de rien. Elle est assez courte, cette mission, à 6 minutes, vous voyez. Donc,
c'est quand même pas mal. Comme elle n'a pas voulu de mon petit cadeau, et bien je le récupère, tout simplement. Et on va l'emporter avec nous. Bon, ça donne aucun bonus, hein, je vous le dis quand même, juste au passage, mais... Et voilà comment on conclut cette map, tout simplement. Avec le costume uniquement, évidemment, pour ceux qui auraient loupé. Fast Sweet Up, c'est ça, en fait. Donc, deux accidents. Voilà, maître assassin en 5 minutes. Vous voyez, là, je comptais 6 minutes avec la capture, mais en fait, la mission elle-même fait 5 minutes seulement. Donc, c'est vraiment court, hein, c'est bien. Le Jackson Chronicle. Donc, voilà, en gros, quelle est l'idée. Comme on pose la bombe, on la déclenche directement. Parce que c'est ça qui prend le plus de temps, en fait, quelque part. Parce que le mec, après, repart, donc ça vous... fait perdre du temps. Donc dès qu'il est sous le piano, la première fois où il est sous le piano, on enclenche. Voilà. Et ensuite, bah, ça crée les conditions nécessaires, évidemment, pour pouvoir passer de l'autre côté. Hein, sinon, vous avez pas mal de gardes, c'est assez chiant, hein, je vous dis sincèrement, de le faire avant, parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent vous voir, notamment soit vous passez par la fenêtre, et notamment il y a un mec derrière, vous savez, vous avez la maison, et vous avez juste à côté de la maison une chaise, avec un mec qui est assis. Et lui, il a une ligne de mire totalement sur ça. Donc si jamais vous vouliez le faire avant, de toute façon, ce mec-là, il faut l'endormir, le cacher, etc. Voilà, donc c'est un peu plus chiant. Alors que l'intérêt de faire comme j'ai fait moi, c'est quand vous faites exploser le tout, ce mec-là et tous les mecs qui sont vers la mare au crocodile, ils se barrent, vous voyez. Donc du coup, ça vous délivre de tout, quoi, en fait. Hein. Après, vous pouvez passer tranquillement et vous cacher dans la fameuse cabane en attendant votre cible. Eh ouais, tout simplement. Enfin voilà, c'était la mission numéro 8. On n'oublie pas que la prochaine vidéo ne sera pas la mission 9 qu'on a déjà faite, hein, qui était la toute première vidéo, quelque part, entre guillemets. Hein. Et ça sera comme ça dans la playlist. Je la laisserai en haut, parce que, en termes de ce que je dis, vous voyez, on sent que c'est un petit peu avant, que c'est la première fois qu'on fait un épisode Fast Sweet Up. Donc, exceptionnellement, elle ne sera pas dans l'ordre. Vous voyez, ce sera la seule. Hein. Elle ne sera pas dans l'ordre, précisément, de numérotation. Mais la 9 sera la première, ensuite il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc la prochaine fois, on aura la mission 10, hein, évidemment. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Hitman Blood Money. Et moi, je vous dis à plus.